Derrière moi, il y a juste le moulin de la galette, le fameux moulin de galette de Montmartre. Et derrière le moulin, il y avait juste l'hôtel particulier de Dalida, Dalida ma sœur bien sûr, qui habitait à deux pas d'ici. J'adore ce quartier, ça fait peut-être un quart de siècle que j'y habite. Et pour rien au monde, je changerai. Le mot mort chez nous, il est banni. On dit il est parti, comme s'il était parti dans une tournée, une longue tournée, peut-être un peu plus longue que d'habitude, et qu'un jour ou l'autre va arriver. Et d'ailleurs, elle est toujours présente, d'ailleurs, rien que voir son public, comme la réclame, comme il aime, comme il la soutient, elle est toujours présente. Kita yo jiji ga soko e, koi ga ikigai no ilo toko, jiji la moroso. Mago colonna gutemo, yasashissa, yassa. Comme ça dit. Voilà, c'est ça, comme c'est pour nous. Deux S. Et disons, j'étais le témoin de son histoire, et aujourd'hui, je suis le gardien de sa mémoire. Et voilà, c'est une salle à manger. C'est la salle à manger de Dalida. Les meubles, les objets, ils ont appartenu à Dalida. Je voulais reconstituer la même. Ici, si on ose dire, c'est bon, c'est la pièce un peu musée. Mais le soir, quand je rentre, des fois, je m'arrête devant cette table qui a toute une histoire et j'ai l'impression de l'avoir, de l'entendre plutôt rire. Voyez de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau de... De toute façon, on se laissait rien passer, c'est ça qui était merveilleux. D'ailleurs, je savais que quand Dalida prenait la mèche de ses cheveux et la repoussait derrière son oreille, tous en sentaient que le vent allait tourner, et là, il fallait surtout pas la contrarier. Il fallait se taire, il fallait que ça passe, qu'elle dise tout ce que nous avait à dire, et après, on reprenait la conversation. C'est bien que tu l'adores, Marine, et qu'elle a des jolis yeux, Marine, mais tu es trop jeune encore, Marine, pour jouer les amoureux. Bambino, ça a été son premier succès. Il a grandi avec elle, et en quelque sorte, ça a été son enfant. Alors si Dalida n'a pas eu l'enfant de sa chair, elle a eu l'enfant du succès. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Elle m'avait laissé dans le coffre-fort, plein d'enveloppes cachetées, avec tout ce qu'elle avait envie que je puisse raconter. Et moi, pendant 7 ans, je n'ai pas été pris par cette curiosité morbide. Et donc, tout ce que j'ai raconté, c'est tout ce que Dalida m'a autorisé à dire. Elle a vécu plusieurs vies en une seule. Parce que si on prend simplement le chapitre de ces hommes, le chapitre de la politique, ses connaissances, cette fille qui arrive de Choubra, du Caire, d'une famille calabraise, et qui arrive à Paris et qu'un jour se retrouve carrément à l'Élysée, face à François Mitterrand ou face à Jacques Chirac, c'est quand même une trajectoire extraordinaire, un destin extraordinaire. C'est, disons, c'est un destin un peu hors du commun. Mais pour ajouter encore au mythe de Dalida, j'ai une petite anecdote. En 87, j'accompagnais le comte de Paris au Québec pendant le millénaire. J'attendrai.